Il y a de la belle image. Ah, en effet. C'est ma maison, ça. Ça, c'est ma mère et ma petite sœur. Ça, ce sont mes relations amoureuses. Des pommes. Ça, ce sont des pommes. Le spectacle du dimanche de ta mère. Tous les dimanches, elle vous fait ça. Exactement. Merci de moi. C'est un essaim de mouche, tu vois. Telle mère, telle fils. Elle, c'est un essaim de mouche. À chaque fois, c'est un peu chiant. C'est vrai que bon, on a tendance à tuer notre public. C'est vraiment, c'est pour le côté impressionnant, tu vois. Regarde, exactement comme prévu. C'est je suis désolé pour ta mère. Ah, ouais. Mais justement, c'est le but de l'aventure, on va aller la libérer. Ah bon? Ouais. Trouver la maman de Jojo. Trouver la maman de Jojo, c'est parti. Il faut sauver la maman de Jojo. comme dans l'arc. Exactement, comme la partie 3. C'est Stardust Crusaders, en fait. Putain, j'aurais dû m'appeler Paul Naref. Stardust Crusaders. Bah là, je suis délivré. Ouais, ben moi aussi. On est tous. Moi, je suis grand. C'est vrai que c'est grand pour un elfe. Ah, un boulet. Je parle pas si mal de toi-même. On peut déplacer le boulet. Oui, avec la souris. Putain, le boulet a plus. Le boulet a plus de vie que moi. Ah, il est niveau 20 le boulet. Oh, en même temps, putain, il faut qu'on prenne le boulet avec nous. J'ai trouvé de l'or et je le garde pour moi. Bah, il commence lui. Ah, voilà, je suis assis. Assis, bon anga. J'ai mis les caisses tout en haut. Ah, ça c'est Trin, ça t'a. C'est ça. Aux ouais. Oh. Ouais, putain, voilà, t'es ruche. Merde, j'ai ramassé une caisse. Attends, je te pique ton or. Non, on me touche pas. Je t'ai piqué ton or. Tu peux me piquer mon or? Non, je peux pas. J'essaye, mais j'essaye vraiment. Okay. Non! Non! Merde, je suis con! Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas comment ça marche, excusez-moi. Oh, si, je comment on voit son inventaire? Un casque saut. I. Ah bah oui, mais t'es à la manette, toi. RT. Non. Si. Ah, si, inventaire. Ça commence bien. Non, mais tu vois le mouton. Pourquoi? Pourquoi tu veux tuer le mouton? Pour voir. Bah non, c'est bon, laisse-le. Vous voulez pas que je bute le... Je sais pas, d'abord on va voir dans la chambre, ça vous dit? Allez, go. Verrouillé. Ah. Je pense qu'il y a un mouton là, je pourrais le tuer. Et éventuellement. Ouais, comme on a rien trouvé à manger, c'est vrai que je... Ça vous dit que je mette le feu au bateau? Allez. Ah, il y a des gens en prison, on pourrait les libérer. Oh, sympa. Ah. Non, on va pas les libérer. Il mérite pas. Avant même que vous puissiez toucher le levier, vous entendez quelqu'un renifler et grogner derrière vous, alors que le magister marmonne quelque chose en se réveillant. Il ouvre un œil injecté de sang, puis l'autre. Que... Hein? Mon tour de garde est fini? C'est la relève? Oh. Oh, je veux lui parler. On se cache. Attends, qu'est-ce qu'il faut se faire? C'est quoi le truc? Y'a Marc qui discute avec le garde. Ouais. Quel garde? Marcos. Le garde qui... Ah, y'a un mec assis sur une chaise. Pourquoi on a tous 6 surnoms? Bah, je suis passé devant lui. Il a rien dit. Bah parce qu'il était en train de dormir, mais là comme j'ai touché le levier, il est en train de se réveiller. Je pense qu'il faut le taper parce que... Faut le taper parce que la porte est verrouillée, donc il doit avoir la clé. Si tu veux, Slut, je peux te dire au garde que j'ai une furieuse envie de me battre contre lui. Il doit absolument aller voir ce qui se passe, ou lui dire en riant qu'un des gardes du pont supérieur est tombé par-dessus bord, il ferait bien d'aller voir. Je peux le tuer là, sinon... Je vais le saluer en lui disant que c'est sa supérieure. Votre supérieur vous m'envoie. Vous devez aller voir ce qui se passe. Tout de suite. Sinon, c'est la fessée. La tentative d'éloquence a réussi. Succès déverrouillé. Ah,
Oh bah c'est pas trop tôt. Ils sont de plus en plus fainéants ceux d'en haut. Même pas capables de se déplacer eux-mêmes. Faut qu'ils envoient des ensourceleurs. Je suis un ensourceleur. Franchement. Mais t'es un couilleux, il voit bien que t'es un collier autour du cou. Mec. Il pense que c'est peut-être un collier magique qui me donne des stats. Bah ils ont tous ça les... Non mais les regarde, il a des trucs devant les yeux. Ah mais je peux pas laisser le prisonnier tout seul. Il paraît que c'est peut-être lui qui a causé des ennuis là-haut. Éloquence intelligence lui fait remarquer la solidité des barreaux de la cellule. Le prisonnier n'ira nulle part. Oui. Éloquence... Alors qu'on pourrait l'attaquer. Je vais lui faire remarquer la solidité des barreaux. Ça c'est Kalane ça. Ne vous inquiétez pas, ces barreaux ont l'air très solides. C'est de l'inox. Et moi l'inox, j'aime bien ça. Ça rouille pas. Donc ça, on peut avoir confiance. Je préfère quand même qu'il vaut mieux qu'il vienne avec moi. Et si vous voulez mal le prendre, grand bien vous fasse. Tu entends ça, Emoir ? On va aller faire une petite promenade. Et c'est qui ce prisonnier ? Échec du passage en mode furtif. Ah mais non ! Les gars ! Non, mais c'est bon, il s'en fout. Ah, il s'en fout ? Il emmène le gars, juste. Ouais. On le tue ? On le tue ? Attendez, j'attaque en mode furtif. C'est... Ok, c'est parti. Ah. Combat ! Yeah. Ah, il est avec nous, du coup ! Oh yes! Ah oh, cool! On a un allié! Tour de Kalane! Il est libéré! Ah ouais! Franchement, on a un look, on est énorme! Hein. Je vous. Tiens, putréfaction! Comme ça, il pourra pas se soigner! Bit! Je sais même pas si je suis un homme ou une femme en fait! Tu putrifies! Waouh! C'est dégueulasse! Ouais! Hop! Voilà, fin de mon tour! Putain, il met des... Il a high kick. Il fait du kung-fu, le mec. Le mec, il fait du kung-fu sur son temps libre. Ah ouais, ben, toucher électrique dans la gueule. Ouf. Non, mais... Il est mort. Ah ouais, là, il est mort. Il n'a pas le temps de le taper. Ah si, tu l'as tapé en premier. Il y a une clé. Non, c'est moi qui l'ai tapé en premier. Ah, j'ai engagé combat, c'est vrai. Est-ce que ça compte? Attends, il y a le prisonnier qui me parle. Il vous parle pas? Non. Il nous regarde avec une jubilation étrange. À la liberté, c'est encore plus goûteux que le vin. Et je peux moi aussi vous libérer en retour. on peut écouter. Faites vos prières tant que vous le pouvez encore, mon garçon. Le hall aux échos vous attend. C'est bon, Fred, tu peux le taper. Quoi, il veut nous attaquer? Il veut nous libérer de la vie. Mais c'est un fils de ta mère. Je le tue, du coup? Bon, c'est lui qui l'a engagé combat, du coup? Ouais, on le tue, alors. Ouais. Hop, je vous file l'encouragement. Il me reste des PA. Voyons voir. Tiens, les moustiques. Je vais lui envoyer des moustiques. Hop. Moustiques. Allez, c'est bon, j'ai fini mon tour. Je garde un PA. Oula. Oh là. Wouah. Le malade. Putain. Je crois que Je crame. Putain, mais on crame. Je vais devoir utiliser mon bao. Du coup, ça marche comment? On a le temps qu'on veut pour chaque tour? Oui. Oh, ouais. Oui, c'est le temps est limité, c'est du tour par tour. Oh, merde, j'aurais... On peut se déplacer et attaquer? Oui. En fait, tout coûte des PA, et il faut que tu gères tes PA. D'accord, moi faut que je sorte du feu là, parce que sinon ça va pas se faire. Ouais. Le bateau va cramer! Ouais, probablement. Putain, moi qui voulais dormir sur le matelas tranquillou. Je m'éloigne. Il a fallu qu'on se batte avec un pyromancien. C'est quand même chaud. Oui, avec tout le pétrole partout là. C'est pas mais c'était pas une bonne idée. Ok, attaque sournoise. Le sournois. Et après, je vais le manger. D'abord attaquer. Ah ouais. Ah, il est vénère l'elfe. Un elfe cannibale. Est-ce que c'est possible ça? Ok, c'est bon. Ouais. Par contre, on est en feu, toi et moi, on est en train de brûler vif. On est en train de brûler vif. Ah, il a 25 d'or. Un autre saut. Je vais prendre un bol. Au cas où que comme ça je peux manger. Je peux l'équiper, celui-là. Ah, c'était pas le même genre de saut, d'accord. Il y a plusieurs genres de sauts. Il y a plusieurs genres de sauts. Ce jeu est trop complet. Des bouteilles de potions vides. Des livres, je suis un érudit. Oh. La bibliothèque d'Alexandrie. Oh, des potions. Du coup, j'ai dit... Allonge-toi là. C'est là. Là. Ah, j'arrive. Ouais. Ah, il m'a piqué la place. Ça fait rien. Attends, je m'assois à ton chevet. Ah.
Juste une bouteille vide, c'est trop nul. Merci. Oula. Ouch. Ouf, non, c'est pas... passé. Putain. Non, j'ai pas été touché. J'ai allumé le poison. J'ai pas fait quoi ? Là, une bougie disait que ça pouvait s'enflammer. Un jeu de cartes. Je prends le jeu de cartes. Je l'ai piqué. Il y en avait deux. Ah, mais elle est très bien. Tu l'as dans l'os. Je crois qu'on devrait faire une pause pour jouer aux cartes. Ah ouais, c'est parti. Moi, j'ai tué le mouton. D'accord. Vu que j'ai pas de jeu de cartes, je m'ennuie. Si j'attaque le mouton, ça va engager un combat. Je pense que oui. Peut-être. Alors, à moins que tu le tues en un coup. Mais... Attends, je veux voir ça. Je veux voir le combat épique. Ah, moi aussi. De faire de contre le mouton. Je peux lancer des flammes. Ouais, c'est ta race. Tu peux faire un... C'est ta race. Ouais, ta race. Oh la vache. Ouah. C'était... Bah, je sais pas, j'ai pas compris. Ah, le mouton, il t'a insulté. Oui, il t'a insulté. Ah, il était pas content. Je refuse de prendre part au combat. J'avoue. Moi, je suis contre l'assassinat brutal des moutons. Ah, j'ai pas mangé les gens. Comment je fais ? Eh bien. Est-ce que je peux soigner le mouton ? Attendez, je vais voir si je peux manger les gens. Ah, mais non, on soigne. J'ai soigné le mouton. Soigne-le à l'infini. Oh, il y a un souci, j'ai perdu mon couteau. Moi, je soutiens le mouton. J'imagine que ça marche aussi si j'appuie sur... Oh non, il s'enfuit. Il s'enfuit, le con. Oh non. Et ta bienveillance a baissé, en plus. Oh non. Monstre. Monstre. On bouffe. Voilà. Ces hommes lézards, tous les mêmes. Hein. Bon, mais je sais pas comment je mange les gens. Tu peux vraiment manger les gens. C'est... Bah, c'était marqué dans mon truc, dans le truc d'origine des elfes, apparemment. Manger les gens. Absorber leurs souvenirs. D'accord. Bon bah on commence le jeu quand vous voulez. Allez. Tous à l'échelle. Tous à l'échelle.